If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. Hey, salut à tous les amis, c'est Ispartik. J'espère que vous avez le chou, la patate, tout ce qu'il faut pour faire une bonne soupe, tout ce qu'il faut pour vous réchauffer en ces temps si froids. Mais vous inquiétez pas, notre ami Rage Say qui joue devant vous, où j'ai accéléré d'ailleurs quelques passages, va nous réchauffer le cœur avec ce joli petit gameplay où il va tenter la triple DNA, mesdames et messieurs. Oui, vous avez bien entendu, ça n'a rien d'extraordinaire sur la Rage en même temps, vous allez me dire, mais franchement, là, ce gameplay, il est de qualité. Malheureusement, le gameplay de qualité était terriblement long. Il devait atteindre les plus de 14 minutes avec les temps de manche et autres. Donc tout simplement je voulais accélérer. J'espère que ça vous dérangera pas. De toute façon c'était ça où on pouvait pas le publier, parce que malheureusement bah ça fait vraiment très très long. En 14 minutes on a le temps d'en faire des choses. Non, plus sérieusement, quand j'ai vu le gameplay, j'ai juste halluciné. Donc je vous ai tout simplement accéléré et coupé certains passages qui étaient pas intéressants. Vous perdez rien, vous inquiétez pas, de toute façon c'est franchement impressionnant. Vous allez pas être déçu. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une petite histoire, mais avant tout j'ai envie de vous parler d'une autre petite histoire. Alors il faut savoir que je suis commentateur Code QG, et j'ai vu que beaucoup de personnes, beaucoup de petits youtubeurs, tout simplement espéraient pouvoir passer sur Code QG ou autre grande chaîne communautaire pour développer justement leur audience, leur auditoire, tout ce que vous voulez. Alors tout simplement il faut savoir qu'on m'a demandé combien j'avais payé, non, imaginez un peu, non, comment il fallait faire tout simplement pour être commentateur Code QG. Alors normalement il y a une sélection, il y a un concours, il y a un tas de choses à faire, sauf que le concours est fermé depuis un an maintenant, quelque chose comme ça, depuis la mort de V2F, enfin pas la mort mais la mort YouTube, disons que depuis qu'il a ralenti ses vidéos, donc V2F qui était un bon commentateur sur le Code QG, donc on ne peut plus postuler, on ne peut plus rien faire. C'est eux qui vous choisissent tout simplement. Vous avez ou pas de la chance que Code QG vous repère, voit un de vos gameplays, qui vous disent par exemple oui on prend ton gameplay ou non, mais par contre on aime bien ta voix, est-ce que tu veux rester avec nous. Petite parenthèse, le joueur débloque sa première DNA, une formalité. Je souhaite vous parler aujourd'hui d'un petit sujet. J'ai pas pour habitude de parler de sujets dans mes vidéos spécialement, mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un petit truc tout simplement qui m'est arrivé à l'école. Il faut savoir que moi je suis au lycée, on terminal STMG. STMG c'est quoi? C'est Sciences Techniques Management Gestion. Pour les plus curieux, c'est la filière en général. On dit que les cancres y vont. Moi ça va, j'y suis allé par choix. Je me débrouille assez bien, il faut le dire. J'ai dans les 12-13 de moyenne sans rien faire. J'ai pas à me plaindre. Suivez pas mon exemple, surtout si vous êtes plus jeune. Mais bon, bref, je suis pas là pour étaler mon cursus scolaire. Bien qu'il soit assez fantastique, il faut le dire. Mais bon, bref, il faut savoir que à l'école, j'ai changé de lycée pour aller dans cette section qui est la STMG. Dès la seconde, je me suis séparé de mes amis, entre autres et autres. Enfin, je ne suis pas allé bien loin non plus, mais j'ai changé de lycée tout simplement. Et avant de me faire des amis, j'ai pris pour habitude d'aller en perm. Et je me suis mis comme ça en allant en perm à dessiner, et même plutôt très bien. C'est pour ça que plus tard, je souhaite faire les beaux-arts. J'ai réussi à reproduire la Joconde, pour vous dire, à peu près correctement, ou Einstein, enfin certains dessins comme ça que peut-être vous pourrez trouver bientôt sur ma chaîne d'ailleurs. Le mec se fait de la pub. Non, plus particulièrement peut-être celui d'Einstein que je mettrai sur ma chaîne puisqu'il est plutôt bien réussi. La Joconde, je n'ai aucun, mais alors aucune prétention à dire que ça lui ressemble ou autre, c'est un chef-d'œuvre. Bref, et en perm, je me suis mis à dessiner. J'ai trouvé une vocation qui est le dessin. C'est plutôt rare que ça se déclenche comme ça. Moi, c'est à force de dessiner en perm, vu que je connaissais pas tellement de monde. Ensuite, je me suis fait plein de nouveaux potes. Mais il faut savoir que j'ai gardé cette habitude d'aller me détendre. Je suis plutôt un solitaire en général. Je suis pas le vieux bisou qui se met en perme, hein, faut pas croire les amis. Mais je suis un solitaire dans la mesure où je fais du sport pas mal. Je suis dans les 12-15 heures de sport par semaine. J'ai eu un problème de santé qui m'a poussé à faire ça. Et du coup j'aime bien me retrouver avec ma musique dans mon petit coin avec moi tout simplement, moi et moi. On s'entend bien moi et moi. Tout simplement moi et ma musique. Je pense que beaucoup de personnes seront dans le même cas que moi. Moi c'est le sport qui est mon défouloir en général.
Et par la suite, à ces problèmes de santé, j'ai découvert que j'avais une passion pour le sport et également donc à force d'aller en permanence pour le dessin. Et récemment, mes amis, j'ai dit à mes potes, on sortait de la cantine et tout, Johan, un pote à moi, Johan, j'étais avec lui, je sortais de la cantine et je lui ai fait « Ouais, j'ai pas trop envie d'aller à Trémeuge, c'est une sortie où tout le monde va fumer, moi bien entendu je ne fume pas, ce n'est pas trop mon truc, mais voilà, j'accompagne pour le délire. » Et j'ai fait « Non, je préfère aller en perm, je vais aller faire pleurer le colosse avant, ça voulait dire « Je vais aller épicer », tout simplement, c'est une bonne blague. Je vais aller faire pleurer le colosse, faut que j'aille éteindre l'incendie, il y a plein de trucs comme ça. Enfin, c'est le truc, ne le ressortez pas, hein, surtout sinon il y a un copyright, c'est ma propriété, voilà. Non, vous pouvez le dire, mais vous paraîtrez pour un gros bisu, hein. Mes blagues, surtout, elles passent pas du tout en IRL en général. Bref, on s'éloigne du sujet, et je suis allé en perm dessiner, j'ai lâché mes potes, je suis pas allé à Trémeuge. Et du coup, je suis allé en perm tout simplement pour dessiner. Je me suis mis à dessiner, et là, il y avait une fille, elle était sur le point de partir, je me suis assis à la table, je me suis mis à dessiner, et là, mes amis, on parle comme Gidias. La fille, elle m'a regardé. Elle a regardé ce que je faisais. J'ai bien vu qu'elle n'avait absolument plus rien à faire en ferme. Elle commençait à fermer ses cahiers et autres. Et là, d'un coup, elle l'a réouvert. Elle a ouvert son papier. Elle a ouvert sa chemise. Elle a commencé à noter des trucs, à faire genre elle travaillait, tout en jetant un œil, comme je le voyais bien, sur mon dessin. J'ai commencé à dessiner Einstein, mes amis Einstein. Et là, j'ai vu que j'avais une touche possible, j'ai vu qu'elle me regardait. Je l'ai regardée, je l'ai examinée, elle était plutôt, comment dire, assez jolie. Elle avait un petit piercing, en plus, je trouve pas ce genre de fille jolie d'habitude. Mais là, franchement, rien à dire, elle était plutôt magnifique, les amis, ce genre d'amis que vous aimeriez bien avoir. Moi, j'ai ma meilleure pote, ça fait du 600 j'aime sur Facebook. Et bah là, c'était l'équivalent, là, elle était belle, vraiment belle. Et finalement... L'heure approchant, il était pile, j'ai commencé à ranger mes affaires, j'ai hésité à lui demander une gomme, mais j'avais déjà une gomme, vous voyez, pour engager le dialogue, j'ai hésité à lui demander un crayon à papier, mais bien entendu j'avais déjà mon crayon à papier, j'ai hésité à lui demander quelque chose, n'avait strictement rien à lui demander, j'ai rien pu faire pour engager le dialogue avec elle, j'ai rien pu faire, j'ai même pas dit au revoir, puisqu'on s'était pas dit bonjour, je n'ai rien pu faire, et du coup cette magnifique fille qui s'était arrêtée, qui avait passé une heure en perme pour me regarder dessiner, et bien tout simplement, je l'ai quittée, elle a quitté en même temps d'ailleurs, elle a rangé ses affaires, je l'ai quittée et on s'est barré comme ça, tous les deux. Et je la reverrai plus jamais, j'ai trop le seum les amis. C'était la fin de mon histoire d'amour qui n'est pas une histoire d'amour puis ça c'est terminé. C'est également bien évidemment la fin de ce gameplay, un petit 95-4, vous l'aurez tous vu, les DNA à profusion. On l'aime, merci Seik, bisous à tous.